Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est McFly Best Training. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez dans le monde. Je vous parle très souvent du coronavirus. Il est vrai qu'on en parle partout dans le monde. On le subit par le biais du confinement, car il semblerait que ce soit l'une des principales solutions pour lutter contre eux. Je vous ai aussi parlé d'un remède venant de Madagascar, le Covid organique. Si tout s'est mis en place pour convaincre toute personne de limiter drastiquement ses sorties, je constate que rien, quasiment rien, n'est fait en termes de communication pour accompagner chaque personne dans cette épreuve qu'est le confinement. Pendant cette période, la solitude ou la vie en communauté peut être bien ou mal vécue selon les individus. Fort heureusement, ce confinement prendra fin le 11 mai. Si tout va bien, on a souvent parlé d'un mal qui frappe très souvent notre société, la sédentarité. Un mal que beaucoup subissent, ce qui souvent fait prendre de mauvaises habitudes alimentaires, le grignotage par exemple, la consommation d'aliments déjà préparés, qui, la plupart du temps, sont bourrés de sel et aussi, et très souvent, de sucre. À l'issue de ce confinement, pour ceux qui n'ont pas eu la bonne idée ou la volonté de pratiquer une activité physique régulière telle que la musculation, par des mouvements tels que des pompes, des squats, des tractions, etc., il est quasiment sûr qu'ils ne sortiront pas de là sans conséquence sur le plan physique et mental. L'activité physique étant indispensable pour un épanouissement à long terme. On sait aussi que ce déconfinement sera progressif. Les salles de sport nous ouvriront leurs portes que beaucoup plus tard. Cela peut être justifié car, comme on le sait tous, dans une salle de musculation, il y a beaucoup de contacts par le biais des machines, des barres, des haltères. Il est grand temps qu'il y ait une prise de conscience de la part de tous les adhérents concernant le nettoyage du matériel avant et après usage pour limiter la propagation de germes. Étant donné cette ouverture tardive des salles de sport, j'invite toute personne à pratiquer une activité sportive en extérieur car cela sera essentiel pour leur santé après le déconfinement. Mes chers amis, je vais terminer cette vidéo en vous parlant sans filet de protection. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous courons tous vers un déconfinement progressif. Durant cette période qui nous reste à passer, il serait essentiel de nous poser des questions, de chercher des réponses à ces questions. On comprend aujourd'hui à quel point tout peut changer du jour au lendemain, que rien n'est acquis ici-bas. Des milliers, voire des millions de gens vont sans doute se retrouver sans emploi, donc sans ressources. Il faut retrouver en nous cette humanité en ayant une pensée pour toutes ces personnes. Nous avons tous vécu la même peur. Nous avons partagé ensemble. Que cela nous serve à resserrer les liens entre chaque humain. On le sait, on aura encore des épreuves, peut-être encore plus dures que celles que nous avons vécues. Ne laissons pas notre train-train quotidien nous faire oublier que nous avons un cœur. Et à partir de là, beaucoup d'amour à partager. Je vous invite à écouter de la musique, celle de Koffi Olomidé, État d'urgence. Une chanson de 6 minutes où notre grand Mopao sait rendre poétique un sujet aussi grave qu'est le coronavirus. Durant la chanson, Koffi Olomidé nous rappelle les gestes barrières. Dans ce clip, notre artiste ne chante pas que pour le Congo. Les images l'expriment très bien. Il semblerait que cette pandémie donne beaucoup d'inspiration à notre artiste. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Soyez prudents.